Alors, bonjour à tous. Je me présente, Mathieu Girard. Je suis moniteur de condition physique et des sports ici à la BFC Bagotville. Très content de vous retrouver pour un nouvel entraînement. Aujourd'hui, on fait un entraînement style Tabata. Qu'est-ce que c'est? C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On le fait pour un total de 8 fois. Et ça, bien, durant les 8 fois, on va alterner entre deux exercices que je vais vous expliquer tout juste avant. Donc, un Tabata va durer 4 minutes. Et on va en faire à 3 reprises pour un total de 12 minutes. Donc voilà le plan de match pour aujourd'hui que je vous propose. À la maison, préparez de la musique parce que j'en aurai pas durant l'entraînement. Et lisez aussi ce qui passe à l'écran. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Alright, donc on va débuter par un échauffement, si vous le voulez bien, pour bien être prêt pour l'entraînement qui s'en vient. Donc on débute par un talon-fesse sur place en intégrant les bras, comme ça, en tirade. Je peux y aller aussi en joguant, au besoin. Fait que l'échauffement, dans le fond, on va faire 30 secondes par exercice. J'en ai 5 là, à vous proposer aujourd'hui. Je le répète, je peux le faire à la marche aussi. On va changer dans 10. Le deuxième, on va toucher au sol en essayant de garder des jambes en extension. Allons-y, switch. Donc, jambes en extension, j'essaie de toucher au sol et je touche vers le haut. Essayez de garder quand même là, votre dos le plus droit possible. C'est au niveau des hanches là, que ça bouge. Encore un 10. Après ça, on va aller en position push-up. Les bras en extension. On est parti. Position push-up. Pied largeur des hanches. Je touche à mon épaule en diagonale. Essayez de garder là, votre bassin bien stable. Il n'est pas supposé bouger là, de gauche à droite. Mon prochain, là, on va se relever debout et on va faire des pas chassés. Dans 5. On se relève. Donc, des pas chassés. Avec l'espace que vous avez à la maison, essayez de garder vos jambes basses. On veut simplement faire monter la fréquence cardiaque pour être prêt. Donc, descendez vos jambes. Allez, le prochain, ça va être de croiser les bras à l'avant de la poitrine en joguant. Allez, allez, allez. Encore 2, 1. Donc, en joguant, je vais croiser les bras. Je peux le faire, évidemment. À la marche. Allez, on garde le rythme. Donc, notre première série va être faite. On va faire cet enchaînement-là une deuxième fois. Encore 1, 10 secondes. Je le répète, je peux le faire au jogging. Allez. Good. On revient au début. Donc, talon-fesse en tirant les bras vers soi. Allez, come on. Regardez votre poitrine bien sortie, la colonne vertébrale bien droite. Allez. Je peux le faire toujours en jogging. Yes! Encore un 10. Deuxième, ça va être de toucher au sol. Stop et switch. Ça va au sol.
Notre troisième, ça va être la position push-up. Allez, allez. On garde le rythme, on veut être prêt pour l'entraînement. Encore un 4. Et switch. Position push-up, croise. Va toucher l'épaule en diagonale. Allez. Garde les abdos, les fessiers engagés. Come on. Allez, allez, allez. Continue, continue. Encore un 5. De toute façon, on va se relever debout. On va faire les pas chassés. C'est parti. Allez. Allez, descends les jambes. Allez. Il va nous manquer par la suite le jogging, croisement des bras à l'avant. Come on. Continue, continue, continue. Encore 15 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Jogging, croisement des bras. Ou à la marche, il n'y a pas de problème. Je vous le démontre. Allez. Fait que les cinq exercices vont être faits. On va terminer avec la planche abdominale qu'on va faire 30 secondes, deux séries. Simplement pour être certain que le corps est bien engagé. A été bien sollicité pour qu'il soit prêt pour l'entraînement. C'est notre base, c'est notre fondation ici. All right. Cinq exercices, dis-je bien, sont faits. On va aller au sol, effectuer la planche, 30 secondes. Donc, je vous le démontre. Ça va être sur les avant-bras, pieds, largeur des hanches. Je peux le faire sur les genoux. Assurez-vous là, que mes fesses ne sont pas dans les airs comme ça. Je veux à la même hauteur que mon dos. Je rentre mon nombril, je serre mes fesses, je serre le zipper, autrement dit, et je garde la position. C'est parti. Donc, soit sur les genoux, fait fermer le zipper. C'est l'impression qu'on veut donner, là. Ou sinon, sur les pieds. Encore 15 secondes. Sept, six, cinq, quatre. 3, 2, 1. On relaxe un peu, hein, 15 secondes. Et on va recommencer pour une deuxième fois. Et l'échauffement va être terminé. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, zip le zipper. Rentre le nombril, ferme les fesses. On peut le faire sur les genoux en tout temps. Il n'y en a pas de problème. Encore un 10. Cinq, quatre, trois, deux, un. Excellent. Good, donc rendez-vous après pour le premier Tabata, l'explication du premier. All right, donc on va débuter par le premier Tabata. On a deux exercices. C'est un burpees modifié. Certains le connaissez, le mot, le burpees. Je vais aller au sol, les bras en extension. Ma position de base, c'est comme ça, abdos, fessiers solides. Et je vais ramener une jambe et terminer par un coup de genou. Je ramène les jambes en arrière. Et toujours la même jambe pour le premier 20 secondes. Fait que ça va être ma jambe droite qui va donner un coup de genou à l'avant. Assurez-vous d'avoir une position qui est hyper solide ici. OK? Donc, pour 20 secondes, la jambe droite pour débuter. Deuxième, ça va être un football. Donc, je piétine sur place. Donc, je descends à mon centre de gravité. Je piétine sur place pour 10 répétitions. C'est ultra rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je plante mes pieds au sol et je boxe. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. C'est pas grave la technique. On n'est pas là pour ça. On est là pour se faire du fun. Descendez les épaules. C'est soit l'erreur qu'on va voir. OK? Donc, descendez les épaules. Reculez la tête. Descendez vos jambes et boxez pour 10 répétitions. All right? Donc, on enchaîne ces deux exercices-là.
8 fois total, 4 fois chacun des exercices. Est-ce que vous êtes prêts? Woo! Je vais aller décoller mon chronomètre. On débute ça. Préparez-vous. Dans 4, 3, 2, 1. C'est parti, let's go! Ceux qui veulent faire des burpees normaux, là, c'est pas grave d'aller le chest au sol. Là, je vous encourage à le faire, ça me dérange pas. Sinon, ben, on donne le coup de genou avec le genou droit pour l'instant. Allez! Et stop! 10 secondes de repos. Football plus boxe, là, vous voyez, c'est très court. Fait que let's go, on a une bonne cadence. C'est parti, allez! Hop, 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 hop! Allez, 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 allez! Encore 10 secondes, allez, allez, allez! Let's go, let's go, let's go! 3. Stop! 10 secondes de repos, les burpees. Une deuxième fois. Allez, on se garde actif. La jambe gauche, cette fois-ci, qu'on donne le coup de genou. C'est parti! Jambe gauche. Allez! Comment? Allez, let's go, la gang. Encore 4. Stop! 10 secondes de repos. Football plus boxe. Dans 2, 1, c'est parti! Ah, let's go, let's go! Allez, rapide, gang, gang, let's go, let's go, allez! Wouh! Come on! Gardez les épaules basses, on se souvient. 3. Stop! C'est notre troisième sur 4. Dans 5. De retour à la jambe droite. C'est parti! Le coup de genou. La jambe droite. Allez! Allez, let's go, accélère, accélère, t'es capable, allez! 2, 1, stop! On se tient prêt pour le football. Dans 3, 2, 1, c'est parti, allez! Come on, allez, allez! Rapide, 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 rapide! Alright, let's go, let's go! Encore 5. 2. 1. Stop! C'est nos deux derniers, donc on effectue chacun des exercices une dernière fois. Dans 5, on est rendu à la jambe gauche. 1. C'est parti! Alright, let's go, donne tout ce que t'as! Alright, let's go, let's go! Encore 10. Come on. 4. Stop. Dernier. 3. 2. 1. C'est parti. Allez, allez, allez. Oh, ouais, let's go. Donne tout ce que t'as. Encore 10 secondes, allez, allez, allez! Encore 5, allez, box, box! Allez, 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 allez! Yes, stop! Good job, la gang! Premier tabata complété, on s'en va au deuxième. Donc, super, deuxième tabata, on est rendu au squat. Donc, les pieds, la largeur des épaules, c'est assez... mince côté largeur. Je vais commencer par faire mon premier squat. Donc, mes genoux sont vis-à-vis mon deuxième orteil. Et ce sont mes hanches qui reculent pour faire mon mouvement et non mon dos qui arque. Donc, je sors mes fesses à l'arrière, je fais mon squat, largeur des épaules et par la suite, je tire pour faire mon squat plus large. Je reviens, fais mon squat. Donc, comme ça. Pour le premier exercice, je peux le faire aussi avec de l'impulsion, si vous êtes willing pour le challenge. Donc, avec de l'impulsion.
Donc, ça va travailler encore plus au niveau des jambes. Deuxième, c'est le push-up au sol. Donc, je vais commencer par faire un push-up, pied derrière les hanches. Je peux placer mes genoux au sol. Pas de problème pour placer les genoux au sol, excusez-moi. Commencer par faire mon push-up. Et je vais simplement laisser tomber les hanches de côté pour suivre ma main avec mes yeux. Et revenir en position push-up. Et je vais aller de l'autre côté. OK, donc, assurez-vous, là, on laisse tomber les hanches de côté. On s'assure d'avoir une belle ligne droite, là. Épaules, hanches, genoux. Contactez les abdos lorsque vous tournez comme ça sur place. Donc, c'est nos deux exercices pour le deuxième Tabata. Est-ce que vous êtes prêts? Wouh! Fallait commencer le chronomètre avec le squat en premier. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Let's go! C'est excellent. Allez, garde le nombril. Rentrez pour travailler les abdos, c'est important. Encore un 3. Stop, ça va au sol, se préparer pour le deuxième. Dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Come on. Encore un 10. Allez, allez, allez. Fait que suis la main avec tes yeux pour vraiment faire une belle rotation. Stop. Se relève debout. Allez de l'autre côté là, pour les squats pour changer un petit peu le travail. Puis la joie des épaules. Deuxième fois, c'est parti. N'oubliez pas qu'on peut le faire en impulsion. Allez. Encore 3. 1. Stop. Ça va au sol pour les push-ups. Deuxième fois. Dans 2. 1. C'est parti. Allez. La tête, ça fait déjà presque 10 secondes. Allez. Gardez le rythme. Contactez les fessiers et les abdos. Let's go. Stop. La moitié le fait. La moitié le fait. Let's go. Dans 5. Gardez-vous actif. Dans 2. 1. C'est parti. Allez. Encore 10. Allez la gang. Gardez le rythme. Encore 3. 2. 1. Stop. Push-up. Tenez-vous prêt dans 4 secondes. C'est parti. Allez. Allez, let's go, let's go, let's go. Allez, come on, la gang. Stop. Excellent, dernier. Ça va le côté pour les squats. Dans 2, 1, c'est parti. Allez, let's go, la gang, allez. Encore 10. Allez, 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 allez. 3, 2, 1, stop. Dernière fois les push-ups. Yes. Dans 4. Et c'est parti. Allez, let's go, la gang, allez. Come on. Wouh! Encore 10. Allez, allez, accélère si t'es capable. Allez. Stop! Good job, la gang. Deuxième Tabata de fête. On se rejoint pour le troisième. Good job.
Alright, donc dernier Tabata aujourd'hui ensemble, la gang. C'est des exercices de core, donc les muscles profonds au niveau de l'abdomen. C'est ces muscles-là là, qu'on va aller chercher, qu'on va aller renforcer pour avoir un bon soutien au niveau de la colonne vertébrale. C'est directement lié là, à des blessures ou des douleurs qu'on a au bas de dos. Fait qu'on veut les renforcer. Donc, premier exercice, ça va être un bulldog. Ça va être le placement de base, là, ça va être de placer les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Je vais pointer mes orteils au sol. Et avant de partir, là, je vais vous montrer l'exercice tout d'abord. Là, ça va être de lever les genoux tout simplement. Mais avant de partir, l'idée, là, c'est de zipper mon zipper. Donc, de venir faire ma petite bascule du bassin, de rentrer mon nombril, de serrer mes fesses. Mes épaules, par la suite, je veux les descendre vers le bas et faire une petite force vers l'extérieur, vers l'arrière. Donc, descendre vers le bas, une petite force vers l'extérieur et je lève par la suite puis je garde ma position. Donc, tout est dans la qualité de mon mouvement. Et si je veux augmenter un petit peu le niveau de difficulté, je vais avancer main et genoux inverse, comme ça. Reculer et avancer main et genoux inverse. Et là, ça ne devrait pas bouger au niveau du bassin. Je devrais rester en ligne droite. Fait que c'est juste me donner un petit peu de défi pour garder là, ma belle position au niveau du bassin. Right? Deuxième, vous allez voir, est assez difficile. Faites votre possible. C'est encourageant. Je vais placer mon pied sur ma chaise. Avant de partir, je vais m'assurer d'avoir une belle ligne droite, mon coude en dessous de mon épaule et je vais simplement lever. Ici, là, ma position, en gardant ma jambe au sol. Si je veux augmenter le niveau de difficulté, je vais simplement lever mon pied jusqu'à l'autre jambe. Vous allez voir, là, l'intérieur de cuisse, c'est assez incroyable comment ça travaille. Donc, ça va être excellent pour nos obliques, mais aussi pour des muscles importants au niveau de la jambe. OK? Je vais aller commencer le chronomètre. Je vais garder ma routine. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Oui! All right. Donc, on débute le chronomètre. Dans 3 secondes, installez-vous au sol pour le bulldog. Et c'est parti. Let's go. Donc, je peux soit garder ma position ici, là, ou soit avancer et reculer. Encore 5 secondes. Stop. On s'en va au sol. Préparez-vous, ça va aller vite. Je place mon pied sur ma chaise. Préparez-vous, belle ligne droite. Et c'est parti. Soit je garde la position ici, là, ou soit je lève mon pied. Contactez les fessiers, hyper important. Deux, un, stop. Je me place au sol. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je zippe le zipper, rentre le nombril, serre les fesses. Mes épaules sont basses. Allez. Stop. Je vais changer de côté ma chaise. Préparez-vous le pied sur la chaise. C'est parti. Excellent. Allez. Tu es capable de serrer les fesses à l'arrière. Je peux aussi garder la position comme ça, la gang. On peut prendre des petits repos, remonter. On fait notre possible. Stop. La moitié de fait, la gang. Il en manque deux de chaque. Dans 3, on est parti. Je peux soit garder la position ou soit avancer. En gardant la position, là, c'est le plus facile pour m'assurer ma position. C'est la meilleure. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Puis au niveau du bassin, il faut que ça soit le plus stable. Stop. On se prépare. C'est parti. Contactez les fesses à l'arrière. Allez.
Il n'y a pas de gêne à garder la position en bas. C'est déjà hyper efficace. Puis on peut même prendre des pauses en bas. Sinon, bien, on lève la jambe. Stop. Pull dog. Pour une troisième fois. Pour une quatrième fois, en fait. Ah oui, c'est la dernière fois qu'on le fait. Allez, c'est parti. Allez, commande la gang. Encore 7 secondes. Garde ça solide. Allez, t'es capable. Stop. Et notre dernière fois. Dans 4 secondes. C'est notre dernière. C'est parti. Allez. T'es capable. Allez. Contacte les fesses. Encore 10 secondes. Allez. Yep. Ah ouais, come on, let's go. Il manque un 5, mais je vous en rajoute 5 autres. Ah ouais, vous êtes capables. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Good job! Yes! On se revoit pour l'étirement. Beau travail! Good, l'entraînement est terminé. Un entraînement comme ça, Tabata, là, se veut rapide, efficace. On a touché là, à peu près à l'ensemble du corps. On a travaillé davantage l'endurance. Donc, n'hésitez pas là, à le répéter d'une semaine à l'autre. C'est un entraînement qui convient là, à la grande, grande majorité de la population. Cependant, si vous êtes blessé durant l'entraînement, n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, que ce soit par la chaîne YouTube ou via la page Facebook PSP BFC Bagotville. Ou pour les membres militaires, je vous invite à remplir un CF98. On va placer les mains derrière pour commencer. Et on va essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière, tout simplement. Donc, je tire dans le fond mes pecs à l'avant. Prenez le temps de respirer là, tranquillement. Good, le bras en extension. On va aller de côté pour étirer le grand dorsal. L'autre côté. Notre chaîne YouTube, Service et bien-être des Forces armées canadiennes. Abonnez-vous. On en sort régulièrement des vidéos là, à la base de Bagotville qui sont spécifiques ici à la réalité de la base. Good. On va aller au sol. Sur les mains, étirez une jambe et l'autre jambe, ramenez-la à l'intérieur. Et je vais reculer par la suite, aller m'asseoir là, sur ma cuisse. Ça va étirer ma fesse là, à l'avant ici. Là. Donc, si je veux rétablir la position, là, je peux ouvrir un petit peu plus mon pied. Je peux rester sur les mains au besoin ou sinon je peux, encore une fois, redescendre. De l'autre côté. Pensez là, à respirer tranquillement. Ça aide à l'étirement en plus. Good. À quatre pattes, on va faire le dos de chat, dos rond. Donc, on descend le nombril vers le bas, on laisse courber le bas de dos. Et par la suite, on fait l'effet inverse. Donc, on courbe le plus possible vers le haut. Je rentre ma tête aussi entre mes bras. Et je fais l'inverse.
Excellent. Accompagné d'une bonne respiration. Excellent. Dans la même position, ma paume de main va vers le haut et je vais plonger le plus possible vers l'extérieur. Je viens déposer mon épaule et ma tête au sol. Mes fesses sont également dans les airs. De l'autre côté. Tiens, on va se diriger sur le dos. On va placer les mains à l'arrière et je vais laisser tomber les coudes de chaque côté. Ça, idéalement, on se rendrait jusqu'au sol. En fait, j'ai mes mains, là, je répète, là, mes mains derrière la tête et j'ouvre les coudes. On se rendrait jusqu'au sol, là, idéalement, si on veut démontrer qu'on a une belle mobilité au niveau de l'épaule. Si vous ne rendez pas jusqu'au sol, il se peut qu'il y ait certains muscles à l'avant qui vous empêchent. Et que ça serait bénéfique de les étirer. Mais là, plus le temps passe, plus ça devrait être facile d'aller jusqu'au sol. Parce que mon muscle se relâche. N'hésitez pas, là, si vous voulez un programme personnalisé pour vous, pour votre condition, pour vos restrictions, allez sur la page PSP BFC Bagotville. Vous allez retrouver toute l'information là, pour nous communiquer. Ça nous fait un énorme plaisir de vous rencontrer. Excellent. Et on va terminer. On va aller sur le côté, déposer votre tête au sol. Je mets mes mains une par-dessus l'autre et je vais suivre. Ah, important, là, les jambes sont à 90 degrés. Ici, là, ils doivent rester comme ça. Je peux même tenir, en fait, là, ma cuisse avec ma main ou sinon la laisser ici, comme vous voulez. Et je vais suivre ma main avec mes yeux pour me rendre le plus loin possible de l'autre côté. Ça, c'est pour assurer un bon mouvement au niveau des omoplates, au niveau de la colonne vertébrale. Essentiel à la santé de mon dos. Là. Je vais le refaire une deuxième fois. Essayez de garder vos jambes au sol. Il faut que ça rotationne, donc je suis ma main avec mes yeux. Et on va le faire une troisième fois. Excellent. Pour terminer, on va faire de l'autre côté. C'est parti. On devrait se rendre à peu près jusqu'au sol. Si c'est pas le cas, essayez de pousser là, un petit peu contre la friction, contre la tension. On va essayer de la combattre là, sans douleur, évidemment, pour se rendre là, tranquillement de plus en plus jusqu'au sol. On va le faire deux dernières fois. Et une dernière. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent avec moi aujourd'hui, la gang, en espérant vous revoir dans une autre vidéo. Sur ce, passez une excellente fin de journée. Bye bye!